שוכני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמן ומלך חוכמה, רבנו רבי נחמן נפג בשמחה, נח נחמן נחמן ומאומן זכותו יגן עלינו ורבי ישראל אמן. ערב טוב, ערב טוב עטוס, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, מסורת חוף, פורנות אצ'ודיו ליקוטי מוהר"ן, דודות ספרים הקדושים, דודת תורה הקדושה, קומפיוטר קיפרל הלמיאר דצדיק, אמן, כן יהי רצון, בעזרת השם יתברך. On va commencer avec ce soir l'écoute Moran 159, Kouf Nun Tet. Et ensuite, on va essayer de traverser un peu différentes explications. Da Sheyesh, il dit Rabbi Nachman. Da Sash Sheyesh Emtsai, qui est un intermédiaire entre nous et Dieu. Vehi, et c'est quoi l'intermédiaire entre nous, entre l'homme et Dieu? Il dit Rabbi Nachman, hi Ashrina. C'est la Shrina. La Shrina, c'est une traduction un peu simple, c'est le dévoilement divin, la présence divine. Ouais, comme ça, on avait fait un shiur pour expliquer c'est quoi la Shrina exactement, mais pour comprendre, c'est une forme de dévoilement divin. Et Rabbi Nachman, il dit, il y a un intermédiaire entre l'homme et Dieu, et ça c'est Vehi Ashrina. Shehu emtsai ben bene adam ou ben Hashem itbarach kaviachol. Kaviachol, c'est il y a un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Cet intermédiaire, c'est la Shrina. Que ces paroles de Torah soient pour la voix chez les mains de Stéphane, Asher Jami Ben Moshe, Bezrat Hashem, et tous les malades d'Aram Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et alors on disait, donc, dans la Torah 159, Da Sheyesh Emtsaïd, sache qu'il y a une séparation, il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire, il s'appelle la Shrina. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un intermédiaire? Parce qu'Hachem, il est tellement grand, il est tellement extraordinaire, il a tellement de lumière que si maintenant il veut se dévoiler directement à nous, on va brûler sur place. Donc il a créé un intermédiaire qui est une partie de lui, qui est un dévoilement de lui et qui se dévoile à travers, ceux qui connaissent un peu de Kabbalah, à travers les 10 sphirotes. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Chacun avec une mida, avec un trait de caractère d'Hachem Yitbarach, le Chesed, la Gvura, Tiferet, Hod, Netzach, etc., etc. Chacun selon son niveau. Ve'adu Hashiyesh Chiluk Ben Nibud Atorot. Et il dit comment est-ce qu'on active ou est-ce qu'on se relie à Hachem? C'est grâce aux mitzvot et grâce à la Torah. C'est ça qui nous protège. C'est écrit que quand on était en Égypte et qu'on a traversé la mer il y a quelques jours, de Kriyat Yamsouf, c'est écrit que le Samech même, il est venu devant Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit, Elo of the Avodazara, ve Elo of the Avodazara. Eux, ils ont servi les idoles, et eux, ils ont servi les idoles. Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. Hachem, il a envoyé l'ange Gabriel pour défendre un Israël. Et il est venu, il a dit à chaque partie des eaux. Il s'est adressé à l'eau de droite. Et il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu vas t'attaquer maintenant, tu vas t'effondrer sur ceux qui vont, dans pas longtemps, recevoir la Torah qui a été donnée avec la main droite d'Hachem, Beyemino. Il a dit à la partie de gauche, est-ce que tu vas t'attaquer aux Béné Israël qui vont mettre les téphilines sur la main gauche? Il a dit à ceux qui, aux eaux qui sont devant, il a dit à l'ange Gabriel, il a dit, est-ce que vous allez noyer les enfants d'Israël qui vont faire la Brit Mila, qui est devant eux? Il a dit à ceux d'en arrière, est-ce que vous allez noyer les Béné Israël qui vont mettre le nœud des téphilines et qui vont mettre les tzitzites qui vont pendre sur l'arrière de Talit et tzitzites qui vont pendre sur eux? Il avait besoin d'arguments. Chachamim pose la question, il demande, pourquoi ces 5 mitzvot? Dis à toutes les eaux, dis-moi, ils vont recevoir la Torah, laissez-les tranquilles. Déjà, on voit une chose incroyable. On a été sauvés, pas parce qu'on méritait, l'argument du Samer même, il était bon. Eux, ça a été des serviteurs d'idoles, de l'argent, des stars, de ce que tu veux. Et aussi, c'est quoi la différence entre les deux? La réponse de l'ange Gabriel, c'est pas pour contrer la question. C'est incroyable, là. Quand tu réfléchis un peu, la réponse, c'est quoi? C'est eux, ils vont recevoir la Torah. Eux, ils vont faire les mitzvot. Ils ont rien encore fait. Mais ça suffit pour sauver un Israël. Je sais pas, quelle force, quelle chesed Hashem Yitbarach. Parce qu'on va recevoir la Torah, parce qu'on va faire les mitzvot, parce qu'on va mettre les téphilines, parce qu'on va mettre les tzitzit.
Ça a suffi pour nous faire pour maintenir le miracle de l'ouverture de la mer et que les eaux ne s'effondrent pas sur nous, mais s'effondrent sur les Égyptiens après nous. Juste ça. Alors, El Khamim pose la question, il dit, mais pourquoi ces cinq-là? Quelqu'un qui sait d'ouvrir? Pourquoi ces cinq-là? Et la réponse, elle est très forte. C'est que les cinq, c'est la Mila, les Téfilines, l'acceptation de la Torah, les Tzitzit et la Mezouza, parce qu'on n'a pas dit la Mezouza sur le côté droit, et la Mezouza, c'est des éléments qui sont extérieurs dans la vie du juif. Un homme, il peut avoir la casquette, il peut être habillé comme un non-juif, tu peux dire, okay, mais quand il met les Téfilines, tu sais que c'est un juif. Quand tu passes devant sa maison, tu vois la Mezouza, tu sais que c'est un juif. Quand tu vois qu'il a des tzitzit, tu sais que c'est un juif. Quand il est avec un livre de Torah, tu sais que c'est un juif. Ça, c'est des signes extérieurs. L'ange Gabriel, il est venu, il a dit au Samech même, il a dit à l'ange de la mer, il lui a dit, regarde, c'est des juifs. Ça va devenir des juifs. Ils vont faire la volonté d'Hachem à la fin. Donc ça suffit, même si c'est pas tout de suite, même s'ils ont fait Avodah Zara, même s'ils ont été ce qu'ils ont été, ça suffit pour les sauver. C'est déjà une première réponse. Donc, Hachem Yitbarach, il a mis entre nous et lui la Shrina. Et dans l'étude de la, comment on fait pour activer notre lien avec Hachem, c'est seulement en faisant sa volonté. Chaque fois qu'un homme il ouvre une page de Torah ou qu'il fait du Gmilut Chassadim, il va visiter les malades, il va faire ce qu'il a à faire. Il fait de la, il partage, il essaye de partager, comme on a dit tout à l'heure, le maximum avec les autres. Il s'occupe de ceux qui sont autour de lui. Alors à ce moment-là, il active un lien fort entre sa Neshama et Dieu. Maintenant, ce lien, parce que Dieu est tellement extraordinaire, tellement infini, et nous on est tellement fini et tellement Baruch HaShem, plein de problèmes, c'est l'homme istader, ça va pas ensemble. Alors HaShem, il a créé la Shrina. Il a séparé une partie de lui qui s'appelle la Shrina. Pour faire le lien qui s'appelle Em Kol Chai, c'est la mère de tous les bénis Israël, c'est la Shrina, c'est la mère des bénis Israël, qui c'est Akavod, et il a fait ce lien entre nous et lui. Maintenant, il dit, quand tu actives le lien, alors il dit par exemple dans le Limud à Torah, dans l'étude de la Torah, il y a plusieurs types de Limud. Tout le monde sait, il y a une Gemara, hein, qui rapporte qu'il y a le Limud Lishma. Un homme, il étudie pour Dieu. Pour Dieu, pour la Torah. Ça lui fait mal, ça lui fait pas mal, il comprend pas. C'est pour Dieu, je m'en fiche, moi. Hachem m'a demandé, je fais. Alors c'est sûr qu'on est tous attirés par de la Torah qui est. Et c'est notre Neshama aussi qui le demande. Il y a une Torah qui est plus connectée à notre Neshama, qui ressemble. Nous, on est, notre Neshama, c'est le fruit, ou c'est, elle est comparée à la. Comment on appelle ça? Le Etsev, à un brin d'arbre qui est, ou à une branche qui est connecté à l'arbre. Alors, il y a des arbres qui sont des différents types de Torah, différentes tzadikim. On a expliqué déjà ça. Donc, c'est sûr que notre Neshama, elle est attachée à un certain type de Torah. Maintenant, il n'empêche que quand on fait cette Torah-là, quand on étudie cette Torah-là, quand on fait une mitzvah lishma, pour l'honneur d'Hachem, c'est pour Hachem. Alors là, on expose la Shrina. On se relie directement à la Shrina, et la Shrina fait le lien jusqu'à Hachem. Le problème, il est quand c'est lo lishma. Comme on dit la Gemara, il y a deux types de lolishma. Un type de lolishma, c'est celui qui il fait pour qu'on l'appelle Rabbi, pour qu'on lui donne des honneurs. La Gemara dit, ça encore, ça passe. C'est pas extraordinaire, c'est sûr, mais ça passe. Le lolishma qui passe pas, c'est quand un homme, il étudie pour casser l'autre, pour dénigrer l'autre, pas pour que lui, on l'appelle Rabbi ou quoi que ce soit, s'il est à ce niveau-là, malheureusement, mais pour que l'autre il soit en dessous de lui. Comme par exemple quelqu'un qui sait que il va avoir un chiour d'un rave dans la ville, alors il vient et il prépare exprès le sujet pour lui poser des questions pour le casser devant tout le monde. Ça, la Gemara dit, ça passe pas. Ça, c'est un lolishma qui passe pas. Si c'est un lolishma pour le Olam Haba, un lolishma pour le Kavod, un lolishma pour recevoir une récompense, au bout d'un moment, la Gemara dit, il va étudier, 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 il va comprendre, il va connecter avec Hachem, ça lui. Il s'en fichera de la récompense. Comme l'histoire du Baal Shem Tov, quand on lui a annoncé qu'il avait perdu son Olam Haba, il a commencé à danser. Alors sa fille, elle était avec elle, Odel, et il lui a dit, comment tu danses? Il lui a dit, ben, avant, malgré tous les efforts que je faisais quand même un peu pour l'Olam Haba. Maintenant, j'ai plus d'Olam Haba, alors je vais faire juste pour Hachem. Et là, tout de suite, sa mère, elle a dit, quoi? Non, 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 redonnez-lui l'Olam Haba. Il y a une bat kol qui est sortie. Le Baal Shem Tov, il a récupéré son Olam Haba. Donc,
C'est quoi, quand est-ce que c'est arrivé? Ça, c'était Dafka Pessar. Pessar, il était à Istanbul, il voulait monter en État d'Israël. Il s'est retrouvé à Istanbul le soir de Pessar. Et il y avait un couple de juifs qui lui couraient après depuis Medzibouz, depuis Medzibouz, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. On leur a dit, il n'y a que le Bachat qui peut vous aider. Et de ville en ville, à chaque fois, ils arrivaient une demi-heure après, et une heure après qu'il était parti, ils couraient après lui. Jusqu'à qu'ils arrivaient en même temps le soir de Pessah. Le Bachat, il n'avait rien pour le soir de Pessah. Il était 2 heures de l'après-midi, il allait au Mikvé. Sa fille lui dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Où est-ce qu'on les matzot? Où est-ce qu'il est le vin? Il dit, Hachem, il va s'occuper. Yeshli Abba Bashamayim. J'ai un père, il va s'occuper de moi, il va pas me laisser tout seul. Quelques heures avant Mincha, tape à la porte, on vous cherche, vous êtes bien la chambre du Baal Shem Tov, oui, voilà, eux, ils avaient la chambre de bonne, ils n'avaient pas d'argent. On est au rooftop, on est en haut, là, mais la plus belle chambre de l'hôtel, la plus belle suite de l'hôtel. Est-ce que vous voulez passer, vous nous ferez l'honneur de passer Pessah avec nous? Et comme ça, il rentre de la synagogue, sa fille lui dit, on est invité en haut, là, au dernier étage. Ils montent au dernier étage à pied. Ils vont passer un des plus beaux Pessahs, c'est écrit là-bas. Il était tellement heureux. Il dansait, il collait au mur et il tournait comme ça sur lui-même. Tellement il était heureux. Et alors à la fin de ce Pessah, enfin, à la fin du Seder, il dit, vous m'avez couru après pendant des jours et des mois. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfants. Et notre rave, il nous a dit, soit vous trouvez une solution, soit vous divorcez. Et moi, je veux pas divorcer de ma femme, je l'aime. Il lui dit, ok. Alors, Bezrat Hashem, vous aurez un enfant cette année. À ce moment-là, tout de suite, il s'endort. Le Baal Shem Tov, il s'endort. Sa Neshama, elle monte. Il passe au Bedin. On lui dit, d'où tu as décidé ça? Il devait pas avoir d'enfant. Maintenant, toi, tu as changé, j'ai mis l'olam. Tu dois payer pour ça. On t'enlève l'olam, là-bas. Il se réveille, il commence à danser encore. Alors, à ce moment-là, Odel lui dit, mais pourquoi tu danses? J'ai perdu mon olam, là-bas. Quoi? C'est pour ça que tu danses. Alors, toute l'histoire, elle est comme ça. Et bon, Hashem, il a récupéré après. Ça dépend. Alors dans cette histoire-là, dans cette vraie histoire, ce qui est arrivé, c'est ça qu'on a voulu lui faire croire. Maintenant, peut-être juste pour l'imoud que de voir sa réaction. Mais je pense pas qu'il peut perdre son lamba vraiment. Mais il y a un inyan comme ça que il y a des fois où c'est le tzaddik qui fait quelque, il essaie de dorer, il essaie de pousser le décret. Il est prêt à sacrifier tout pour ça, même lui-même, toutes les souffrances que les tzaddikim y supportent. C'est pas parce qu'ils ont fait des fautes. C'est parce qu'ils veulent supporter les souffrances de l'âme Israël. C'est ça qu'ils font les tzadikim. Donc c'est ça qu'ils disent ici Rabbi Nachman, que la Shrina elle est là pour faire le lien entre nous et Dieu. Et elle est activée à chaque fois qu'un juif. Non, ça va. À chaque fois qu'un juif, il fait quelque chose de l'Ishma. À chaque fois qu'un juif fait quelque chose de l'Ishma, il active la Shrina. Il active la présence divine. Chaque fois qu'il fait quelque chose, l'Eshem Shamaim, pour la gloire de Dieu, pour le nom de Dieu, pour la Torah, pour la mitzvah elle-même, et bien sûr, il va avoir des épreuves. Bien sûr que tu vas pas avoir ton merci. Bien sûr que tu vas, le gars presque, il va, c'est sûr, ça, il y a des difficultés. Mais chaque fois que tu fais quelque chose, l'Ishma, tu actives, ta Ishma, elle s'illumine de la Shrina, de la présence divine. Kibat Torah, yesh, esh ou maim. Dans la Torah, il y a le esh et le maim. Il y a le feu, il y a l'eau. Ken? Et lorsque la Shrina qui elle reçoit la Torah, le feu il s'élève, et à ce moment-là, du fait que, parce que c'est ça qui est incroyable, on va essayer d'expliquer. Au nom de Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov, Rabbi Levi Yitzchak de Berditchov, le Sanhédrin chez Israël, quand le défenseur d'Israël, il explique une Gemara. Dans Maseret Rosh Hashanah 7b. Et la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, Chadamar, il y en a un qui a dit, c'est une discussion entre deux Chachamim. Chadamar, il y en a un qui a dit que le monde, il a été créé à Tishrei. Et il y en a un qui a dit que le monde, il a été créé en Nissan. Okay? Le Tosfot, il dit sur la Gemara, Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. Cela et cela, c'est la vérité. Je vous pose la question, comment c'est possible que à la fois le monde il a été créé en Tishrei et à la fois le monde il a été créé en Nissan? Soit il a été créé en Tishrei, tu peux pas créer deux fois le monde. Soit il a été créé en Nissan. Alors on a déjà expliqué plusieurs explications, mais celle de Rabbi Yitzchak, elle est exceptionnelle vraiment. Rabbi Yitzchak qui dit en Tishrei, Hachem il a créé le monde et en Nissan il a montré, il a créé ce pourquoi il a créé le monde.
Donc il a justifié la création du monde en Tishrei. Explication. Il dit ça correspond à deux anhagot d'Akadosh Baruch Hu, deux comportements d'Hachem Yitbarach. Premier comportement d'Hachem Yitbarach, c'est quoi? Le premier comportement d'Hachem, c'est au moment de la création du monde en Tishrei. Comment il a créé le monde? Bechesed Ibané, c'est écrit. Avec son chesed, il avait de la bonté. Hachem, il a voulu partager sa bonté avec le monde entier. Il a créé un monde. Il a voulu partager de la bonté. Il n'avait pas besoin. Hachem n'avait jamais eu besoin du monde. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais il voulait. Moi, j'ai pas besoin de toi, mais je veux passer manger avec toi, passer un moment avec toi. C'est un plaisir. J'ai pas besoin. C'est pas grave si je le fais pas. Mais c'est la même chose avec Hachem. C'est pas grave s'il avait pas créé le monde. Mais il voulait. C'est un plaisir pour lui. Que le monde, il ait été créé. Et que le monde, il ait été créé, ça, c'est déjà. Mais chesed ibané. C'est un plaisir. Qu'il puisse partager, même pas, encore rien, il y a rien. Le monde, il y a rien encore dedans. Rien que le fait qu'il ait pu partager, ça lui a amené du plaisir. Ça lui a amené du plaisir. Rien que le fait, ce sentiment-là, tu sais, des fois, tu fais un truc pour quelqu'un, il t'a pas dit merci, même des fois, il te dit, mais tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Tu te sens bien. Hachem, il a créé le monde, il a dit, j'ai partagé de moi avec le monde. Ça, c'est Bechesed Ibané. Ça correspond à Tishrei. Il dit maintenant, jusqu'à que le peuple d'Israël a été créé en Nissan, qu'on est sorti d'Égypte, le monde, il n'avait pas de raison d'être. Pour Dieu, en tout cas. Aux yeux de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez qu'on est en train d'expliquer comment Hachem, il ressent les choses. Aux yeux de Dieu, le monde, il n'avait pas de raison d'être. Seulement, dit le Rabbi Levi Yitzhak, au moment où il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, et il en a fait un peuple, il lui a donné la Torah dans quelques jours, dans Shavuot. À ce moment-là, il a dit au monde entier, voilà pourquoi j'ai créé le monde. Vous allez savoir pourquoi? Pour eux. C'est pour eux, c'est pour eux. Ce peuple-là qui a reçu la Torah, c'est pour eux que j'ai recréé le monde. Donc maintenant, tout le monde comprend pourquoi il a créé le monde en Tishrei. Parce qu'il a créé le peuple d'Israël en Nissan. C'est comme un homme, il fait quelque chose. Personne ne comprend ce qu'il fait. Et quelques années plus tard, il y a quelque chose qui se passe, que tout le monde a compris pourquoi il l'a fait. C'est quand que vraiment la création a pris tout son sens? Au moment où il a expliqué, ou au moment où ça s'est éclairé. La même chose avec Dieu. La création n'a pris tout son sens au niveau des anges, dans les mondes supérieurs, exactement. Exactement. Seulement quand on est sorti d'Égypte et que le peuple d'Israël il a été créé, et qu'on a reçu la Torah. C'est à ce moment-là que les anges ont dit, ah, maintenant on a compris pourquoi tu as créé le monde. Avant ça, on comprenait pas. Maintenant qu'on a vu le béni Israël, que tu leur as donné la Torah, là maintenant, on comprend. Et ça, c'est ce qu'on disait pendant notre Mincha et Arvit. C'est qu'un homme, pour qu'il puisse tenir bon dans ce monde, l'Echila, ça fait du bruit. Pour qu'un homme. Allô? Slicha? Ça fait du bruit. Pour qu'un homme il puisse tenir bon dans ce monde, il est obligé de se construire une carapace de Emouna, une carapace de Emouna et de Bitachon en Dieu, à toute épreuve. Sinon, il ne tiendra jamais dans ce monde. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, on a dit tout à l'heure, c'est Yom HaShoah. Combien de gens peuvent... Qui peut expliquer ce qui s'est passé? Qui peut justifier ce qui s'est passé? Oubliez le Yom HaShoah, même il y a le 7 octobre, même tous les pogroms et les difficultés quand même Israël ont subi. S'il n'y a pas une carapace à toute épreuve, c'est vraiment un gilet pare-balles de Emouna qui se travaille tous les jours, un homme, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Et c'est ce qu'on a expliqué, on va réexpliquer au nom de Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit dans la Gemara, dans Maseret Baba Batra, à la page 10a, la Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit que Am Israël, lorsqu'ils font la volonté de Dieu, ils sont appelés Banim. Et lorsqu'ils font pas la volonté de Dieu, ils sont appelés Avadim. Demande Rabbi Levi Yitzhak. Je comprends pas. Un Eved, un serviteur, il fait la volonté de son maître, sinon c'est même pas un serviteur, c'est un moins que rien, c'est même pas un serviteur. Si tu l'appelles serviteur, c'est qu'il fait la volonté de son maître. Répondra à Levitra qu'on le fait en cours, puisque tu l'as déjà écouté. On le fait en cours. Répondra à Levitra quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tous les deux, ils font la volonté de leur maître. Tous les deux, ils font Torah. Tous les deux, ils font mitzvot. Tous les deux, ils font Mangama Sim Tovim.
Tous les deux, ils font ça. Mais une seule volonté les différencie. Un seul respect de une volonté d'Hachem les différencie. La volonté qu'a Dieu en tant que père, que ses enfants le reconnaissent en tant que père. Moi, ça fait plusieurs fois que je répète ce chiot, et ça me renforce à chaque fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que dit Rabbi Levi Yitzhak de Berlichov. Il dit que c'est le fait qu'on le considère comme père qui éveille la parentalité chez Dieu. C'est le fait qu'on ait confiance en lui, et le fait qu'on sache, qu'on soit convaincu qu'on a un père qui s'occupe de nous, qui ne veut que notre bien, qui jamais nous fera du mal, malgré qu'on peut voir avec nos yeux que c'est du mal, c'est pas du mal, et que ça colle les tova, et que tout est bien. Malgré tout ça, c'est seulement comme ça que tu es appelé Ben. Sinon, tu es appelé un Eved. C'est seulement comme ça que tu es appelé un fils. Et c'est quoi la différence entre un fils et un Eved? Ils font le même travail, mais il y en a un, il est heureux, parce qu'il sait qu'il a un père. Il sait qu'il y a quelqu'un qui l'aime derrière lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui veut son bien. Il sait qu'il y a quelqu'un qui veut l'éduquer, qui veut le faire grandir, qui veut lui récompenser, qui veut lui donner. Le Eved, il pense qu'il est juste là à travailler comme un Ahmar. Excusez-moi du terme. Il travaille, il se lève, il travaille, il dort. Il se lève, il travaille, il dort. Il se lève, il travaille, il dort. Il a pas de vitalité. Parce qu'il a pas de simcha. La simcha d'un homme, elle vient de sa emuna. Elle vient de son bitachon dans Hashem Yitbarach. Elle vient du fait qu'il est convaincu qu'il a un père dans ce monde, qu'il l'a créé pour son bien, qu'il va lui donner tout le bien, qu'il s'occupe de lui, qu'il s'occupe de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque situation, de chaque parole, de chaque gens qu'il va rencontrer, tout ce qui lui arrive dans le monde, c'est tout. Si la Gemara elle dit qu'une feuille, elle tombe pas sans qu'Hachem, il décide où elle va tomber. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur les Béné Israël que c'est le centre du monde? C'est pour ça que le monde, il a été créé. Bénissan Nivra, Aolam. Mais non, le monde, il a été créé en Tishré. Non, mais la justification du monde, elle a été créée en Nissan. Le peuple d'Israël, il a été créé en Nissan. Les 600 000 âmes qui ont reçu la Torah et toutes celles qui vont venir après, ils ont été créées en Nissan et elles ont été reçues la Torah en Sivan. Et en attendant, ils ont compté les 50 paliers de pureté qu'on fait dans leur Homer. Si un homme, il a pas ça, il peut pas tenir. Même tu peux lui donner toute la Torah du monde. Tu peux lui enseigner toute la Chochma du monde. Ça tient pas. Acher, Rabbi Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, il est monté au Pardès. Il comprenait des choses que personne aujourd'hui comprend. Il a vu une chose, Matatron assis sur le skissé à Kavod, il a tout laissé tomber. Il a dit, c'est pas vrai. Parce qu'il lui manquait Inemuna, que Hachem, il peut gérer ça, c'est pas grave, on comprend pas. Il y a un truc qu'il a pas compris, tout est parti. Il a tout laissé tomber. Le maître de Rabbi Meir Balanes. Je sais pas si on comprenait. Qui on est, nous? Il a vu un truc, Matatron, l'ange responsable en haut, il était assis sur le kissé à Kavod. Il a dit, non, ça c'est pas possible. Ça veut dire que tout est faux. Vous imaginez? Rabbi Meir, il s'est battu avec lui. Il lui a dit, fais tchouva. Il lui a dit, j'aimerais bien, mais Hachem, il veut plus que je fasse tchouva. Et la Gemara, elle dit, Chachamim, le Ben Yishraï, le Ben Yuhada, il explique. Il dit, c'est pas que Hachem veut que tout le monde fasse tchouva. Mais c'est vrai qu'il y a un certain moment où que certaines personnes ont tellement craché sur Hachem qu'Hachem, il leur fait croire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Meir, il se faisait rentrer dans les chivotes. Il demandait aux enfants, qu'est-ce que tu dis? À chaque fois, il dit, ah, il y en a qui vont pas faire tchouva. À chaque fois, c'était en rapport avec lui. Que Zama et Hachem, il veut pas. Et à ce moment-là, non, c'est sur Organ, c'est encore une autre histoire. Ça a conforté cette situation. Mais le point de départ, c'était le Pardès. Le point de départ, c'était le Pardès. Après ça, il y a eu d'autres histoires comme ça où Hachem, il a conforté dans son idée. Parce qu'Hachem, il se met. C'est de la Hanava, mais en même temps, c'est de la folie quand tu y penses. C'est un père qui se mêle pas de ses enfants. Je sais pas, j'imaginais qu'elle. Si vous êtes parent, je pense que vous pouvez comprendre. Que. Nous, en tant que parents, on peut pas ne pas se mêler de nos enfants. Même si on veut les respecter, tu vois qu'il fait quelque chose de pas bien, tu vois qu'il n'est pas dans le bon derrière, tu vois. Arrête, s'il te plaît. Genre, tu sais, lui, c'est pas, lui, il est tellement anav à Kadosh Baruch, je t'abarche mon lahal, et tu veux pas être dans le derrière, continue dans ton derrière. Je m'occuperai de toi après. Tu veux pas, continue, fais ce que tu veux. Mais pourtant, on dit, la phrase, Pitrou les chats.
Non, ça contredit pas. Ouvrez-moi l'ouverture d'une aiguille et moi je vous. Mais il faut qu'il Alors, ouvre. je vous donnerai Un push. Aidez, je vous aide. Mais il faut que vous me laissiez rentrer. Aidez, je vous aide. Il faut que tu veuilles. Il était aussi grand que ça et il a... Ah ouais, non. Après, c'est encore une autre histoire. Après, il a tout laissé tomber. Il a dit, je veux même pas l'ouverture, je veux pas. Il a rien laissé tomber là. Jusqu'à que Rabbi Meir, il a dit, il est parti de ce monde. Rabbi Meir, il a dit, il peut ni rentrer ni au Gehinam ni au Gan Eden. Au Gehinam, il ne peut pas rentrer parce qu'il a trop de Torah. Il a trop étudié. Malgré qu'il a tout laissé tomber, il a trop étudié avant d'étudier. Il pouvait pas rentrer au Gehinam. Au Gan Eden, il peut pas rentrer parce qu'il a été kofer. Il a dit, moi, je vais mourir, et en mourant, puisque les tzadikim sont plus grands dans leur mort que dans leur vie, en partant de ce monde, quand je serai niftar, je vais le faire rentrer au Gehinam. Ça, c'est un sroute. Il a fait rentrer au Gehinam, à partir du moment où Rabbi Meir, il est parti de ce monde. Il y avait du hachan, il y avait de la fumée qui sortait du kever de Acher, de Rabbi Elishaven. Et après, au bout d'un moment, Rabbi Yochanan, il a dit, c'est honteux. Un Talmid Chacham qui étudie la Torah, même s'il a été kofar à la fin de sa vie, qu'il y a comme ça, chacun qui passe devant lui, il voit la fumée qui sort. Quand moi je vais partir de ce monde, je le ferai rentrer au Gan Eden. Et c'est ça qu'il a fait. Et ça, quand il est parti de ce monde, ça s'est arrêté. Donc on voit. Toute l'idée, c'est quoi? C'est que un homme, il peut vivre la même vie, mais avec une émouna extraordinaire et une vie qui sera une bonne vie, avec toutes les difficultés du monde, hein, mais ce sera quand même une bonne vie, parce que Rabbi Nachman, il dit, tout se passe dans la tête. Le monde d'un homme, il est dans sa tête. Un homme, il peut médamien, il peut imaginer les meilleures choses du monde et être dans la pire situation. Hein? Alors attends. Oui, à 100%. Mais c'est juste que nous, on est influencé par l'extériorité, par la réalité. Mais quelqu'un, s'imagine, s'il a un point d'imaginer et de se convaincre dans sa tête que tout va bien, tout va bien. Même s'il a mal, mais ce que tu veux. S'il arrive, c'est l'hypnose, c'est le principe de l'hypnose, c'est le principe de plein d'autres de techniques de concentration. C'est que s'ils arrivent dans la tête à se concentrer que tout va bien, tout va bien. Et un homme, au contrario, il peut avoir tout, Parnassa, la santé, trucs, et dans sa tête, il voit tout noir. Le cas, c'est qu'il est mort. Il est déjà mort dans ce monde. Ça s'appelle un mort vivant. Et ça dépend de cette émouna et de ce qu'on a rentré en nous, Tirabi Levitsrak, de ce Ben. De ce fils de Dieu. Parce qu'un fils, son père, il l'aime. Il va pas le laisser tomber. Il va lui répondre. Il va parler avec lui. Il va s'occuper de lui. Il va gérer avec lui. Et ça, c'est ce qu'on doit travailler sur nous. On est les enfants de Dieu. En plus d'être autre chose. On est aussi les Avadim. Mais on a cette possibilité d'être un Ben. Et cette possibilité, elle dépend de l'homme, pas de Dieu. C'est ça le chidouche. Le chidouche, il dit, mais attends, moi, je suis. Non, elle dépend de l'homme. Si toi, tu le considères comme ton père, il sera ton père. C'est ce qu'on dit quand quelqu'un fait une bar mitzvah. Il devient fils de la mitzvah. Tu sais pourquoi on dit que ça s'appelle fils de la mitzvah? Alors, Chachamim, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce qu'une mitzvah, elle devient ton père. À chaque fois que tu fais une mitzvah, elle devient Abba, elle devient ton père. Elle s'occupe de toi dans ce monde et dans l'autre. Elle se comme ton père. Elle s'occupe de toi. Elle te protège. On a expliqué ner mitzvah et Torah or. C'est comme une lumière qui te protège, qui t'illumine, qui te montre le chemin. Comme un père. Tu deviens bar mitzvah. Pourquoi tu ne dis pas bar mitzvot? Normalement, à 13 ans, tu deviens un frère de toutes les mitzvot. Non, une mitzvah à la fois, chaque fois, celle-là, tu deviens le fils de cette mitzvah. Parce qu'elle va s'occuper de toi pour l'éternité. Une fois que tu l'as fait, elle s'occupe de toi pour l'éternité. C'est fini. Vous êtes liés ensemble. Oui, exactement. Qu'il n'est pas rentré au Guéhenna, même malgré qu'il avait tout fait. Parce qu'il a fait des mitzvot, il a étudié la Torah et ça l'a pas lâché. Ça l'a pas laissé rentrer au Guéhenna. C'est pour dire qu'on est dans un matzav qu'il faut comprendre ce qui est écrit ici. Maintenant, le secret de ce Likutei Moharan, c'est le Lishma. Un homme, il doit comprendre, il doit essayer en tout cas, de chercher de toutes ses forces à faire les choses d'abord. C'est pas facile de faire les choses déjà. Faire des mitzvot, mettre les téfilines, se lever le matin pour la tefila, aller faire Bekou Khalim. C'est pas facile, surtout aujourd'hui. Tout le monde est très centré sur lui-même. Il y a tellement de difficultés, chacun a tellement de difficultés dans sa vie, dans sa parnassa, dans ses enfants, dans ses trucs. Je te dis à un moment, combien je peux supporter? Mais celui qui arrive à dépasser ça, à se convaincre que non, Hachem c'est mon père, et Hachem Abba Hachem Hachamayim, mais il s'occupe de moi, il va pas me laisser tomber. Celui qui arrive à ça, alors à ce moment-là, à ce moment-là, il est capable
de toucher à ce qu'on appelle la mitzvah ou la avoda lishma. Parce que il faut une certaine anava. C'est écrit sur les béné Israël, c'est écrit que Hachem, au nom du Baal Shem Tov Akadosh, c'est écrit que Mechila. C'est écrit que au nom du Baal Shem Tov. Attends une seconde. Il y a un bruit de fond, non? Au nom du Baal Shem Tov Akadosh, c'est écrit comme ça. C'est écrit que les Juifs, les Béné Israël, Hachem, il peut se comporter avec eux de deux façons. Première façon, c'est que Akadosh Baruch Hu, il peut les punir pour les... Dis-lui, s'il te plaît, parce qu'il n'a pas compris. Il peut les punir pour... Baruch Hashem, mais ça veut dire... Je ne peux pas me concentrer. Et il peut les punir, c'est-à-dire pour les remettre sur le droit chemin, pour leur faire tchouva, ils peuvent leur envoyer des épreuves. C'est une façon de faire, que Hashem, il a. Mais c'est écrit sur le pasouk dans Tehilim, Hashem ish milchama, Hashem shemo. Hashem, c'est un ish milchama, c'est un homme de guerre. Hashem Shemo. Le nom d'Hashem qui est utilisé là-bas, c'est Yudke Vavke. Le nom Havaya. Le nom Havaya, c'est un nom de Chesed. Pose le Baal Shem Tov Akadosh la question. Si tu veux me décrire Hashem comme un homme de guerre, tu devrais utiliser un nom de djinn. Pas un nom de Chesed. Ça fait du sens, Ken. La question elle est forte. Dis le Baal Shem Tov quelque chose d'extraordinaire. Il dit Hashem quand il se bat contre les anges, les démons, les mauvais anges, il se bat pour sauver Am Israël. Et donc, c'est du chesed pour Am Israël. C'est pour ça que même dans la guerre, il est appelé Hachem, Yudke Vavke, parce qu'il fait du chesed au Béné Israël. Maintenant, il dit le Baal Shem Tov sur ça, il dit, Hachem, il peut se comporter avec le Béné Israël de deux façons. Soit Trecha, soit il est puni pour les réveiller, soit, au contraire, il leur fait du bien. Alors, il dit, je comprends pas. Il leur fait du bien alors qu'eux, ils ne méritent pas. Il dit oui. Il leur fait beaucoup plus de bien, encore plus qu'ils font du mal, lui, il fait du bien. Il dit pourquoi? Parce que les Béné Israël, ils ont une mida qui est inhérente chez eux, c'est la anava. Par rapport aux nations du monde, ils sont anav, ils sont humbles. Et quelqu'un de humble, quand tu lui fais du bien alors qu'il sait qu'il ne mérite pas, au bout d'un moment, il va plus pouvoir, il va dire ok, s'il continue à me faire du bien alors que moi je mérite pas, je vais essayer de rendre quelque chose, je vais réaliser que, attends, tu me fais tellement de bien, hein, et moi je suis pas à la hauteur, un minimum, je fais tchouva, un minimum. Il y a un moment, tu vas recevoir tellement de bien que tu vas dire, attends, mais moi je suis pas à la hauteur. Mais par contre, il dit l'égoïme, quand il a fait ça avec Nabuchadnezzar, quand il a fait ça avec Saint-Rériv, chaque fois qu'il a donné la grandeur à quelqu'un, dans les peuples goy, il l'a pris pour lui, il a dit c'est à moi. Mais quand il a dit à David Amelech, il a dit, je suis rien. Et Avraham Avinu, Anitola, je suis à Farve Efer, je suis de la poussière. Ken, Moshe Rabbeinu, Anachnouma. Chaque fois qu'il donne la grandeur à un juif, il a dit, on réalise qu'on est rien. Pourquoi? Parce que quand tu donnes du bien à un juif, il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Au fond de lui, il sait qu'il ne mérite pas. Alors ça lui donne, Kaviachol, une volonté de rendre à Hachem. Il fait tchouva. Il dit ça c'est la vraie volonté d'Hachem. Hachem, il veut pas punir. C'est quand il a pas l'autre choix. Mais sinon, il veut donner du bien et du bien et du bien jusqu'à que l'homme, il est tellement plein de bien qu'il dit okay, c'est bon, je vais revenir. Laisse-moi, je veux revenir. Je peux pas continuer que tu me donnes du bien et moi je continue à faire n'importe quoi dans ma vie. Je peux pas. Alors je vais revenir. Et ça c'est le Baal Shem Tov HaKadosh. C'est ça l'idée que je voulais partager ce soir avec vous. C'est que il y a un travail. C'est un travail. Vous savez, on est dans toute la partie où on lit les Perkei Avot tous les Shabbats, et on prépare la Mekablim et la Torah, on prépare le fait de recevoir la Torah. La principale préparation qu'on doit faire, c'est en nous-mêmes. Travailler jour et nuit, notre Emouna, notre Bitachon, que Hachem il nous aime, que Hachem c'est notre Père qui veut que notre bien. Malgré, vous voyez, on voit des miracles, les missiles là, qui ont été envoyés de l'autre côté. En une nuit, il n'y a pas rien qui a touché. Mais on oublie, la vie, même ça, je dis, bon, bah, écoute, c'est arrivé, ils ont dû arrêter, il y a toujours des explications. Mais non, Hachem, il te protège de tout, et je t'abarche chez moi. Et des fois, c'est vrai,
Il y a des choses qui arrivent, mais les choses qui arrivent, c'est même pour toi, c'est pour notre bien. Et cette nekouda de Ben, c'est ça qu'on est censé, c'est avec ça qu'on est censé être sorti d'Égypte. Ce Pessah, c'est ça l'idée. Pourquoi Rabbi Yitzhak qui demande, mais pourquoi est-ce que Pessah, tout Pessah, c'est l'enfant. Toute l'idée de Pessah, c'est l'enfant. Il dit pour nous rappeler que nous aussi, on est les enfants de Dieu. C'est pas seulement que toi, tu parles à ton fils. Tu parles à ton fils, donc tu réalises que tu es père. Toi aussi, tu es un père. Toi aussi, tu es Avinu Sheva Shamaim. C'est écrit, la Gemara dit elle dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de grands rabbanim, il n'y aura plus de guides. Même ceux qui sont grands, ils seront difficiles à atteindre, ce sera difficile de leur parler, ils ne seront pas accessibles, comme tu dis tout à l'heure. Pourquoi? Pour te rappeler, Yesh Avinu Sheva Shamaim. On a un Dieu, on a un père, on peut lui parler, il va nous répondre. Comme un fils qui s'adresse à son père. Et ça, c'est la découda. C'est le travail qu'un homme il doit faire, surtout dans cette période. Surtout maintenant, surtout dans notre difficulté, notre folie, la fin des temps comme ça. Il y a un travail à faire de se rappeler qui on est. On est ce pourquoi le monde a été créé. On est les banim d'Akadosh Baruch Hu. Et on est nikraim banim, a dit la Gemara. On est appelé des enfants. Mais pour ça, il faut le considérer comme notre père. Il faut avoir confiance en lui, ne pas avoir de daga, pas de peur, assour. C'est assour d'avoir peur. On n'a pas peur de ce monde. Ce monde, c'est qu'il est contemporain. De toute façon, on va tous partir. Et on n'a pas peur de ce monde. On a peur de ne pas réaliser notre plein potentiel dans ce monde. C'est une autre histoire. On a peur d'Hachem. Mais peur de ce monde. On n'a pas peur de ce monde. Ni de l'Iran, ni de rien. On a peur de personne. Et ce n'est pas parce qu'on est Chutzpan. C'est parce qu'on a Avinu Sheva Shamaim. Et de toutes les générations, malgré toutes les difficultés, malgré des choses comme la Shoah qui ont été Lo Alenu Velo Alechem Yishmarchem Amzicham, malgré ça, il y avait des gens encore qui dansaient en rentrant dans les camps. Et qui dansaient dans les fours. Parce qu'ils avaient cette émouna, cette kippa de Barzel, cette protection vraiment qui les habitait. Hachem, il ne peut pas me faire de mal. Je vois du mal, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du mal. L'opération, on m'a dit, j'ai eu un retard sur cette opération d'une semaine. Le grand ménateur qui n'était pas arrivé, est en Amérique, le temps qu'il arrive, on m'a donné encore une semaine à attendre. Et à l'époque, le rabbin m'avait dit, t'es pas assez, mais sa mère. Et mes maîtres, j'étudiais que la Simcha. Je rentrais avec du feu et je ne croyais pas quand on parle comme toi, comme ce que tu dis là. Ken. Je ne croyais pas comment tu peux rentrer dans la. On va te charcuter, toi tu es sa mère. Et mes maîtres, je rentrais dans l'allée avec la Simcha et le. Et ça m'a. Ça diminue. Je sais que la Simcha, Rabinou, toute la réfoua, c'est la Simcha. Toute la réfoua, ça vient de la Simcha. Quand les gens y vont pour visiter les malades, l'ordre de la Simcha, c'est ça la réfoua. C'est ça le écart de la réfoua. C'est ça le écart de la réfoua. Ça donne de la vitalité à la personne. C'est mamage de la vitalité. Mais pour ça, il faut avoir de la Emouna. Tu peux pas avoir de Simcha dans ce monde sans Emouna. Il n'y a pas de nourriture dans ce monde. Il n'y a pas de plaisir dans ce monde qui t'amène une vraie Simcha. Seulement la conviction que tu n'es pas seul. Seulement la conviction qu'il y a Hachem qui t'aime et qui s'occupe de toi et qui t'attend à 120 ans pour te récompenser de toutes les souffrances que tu as souffert et de tous les efforts que tu as fait et de tous les combats que tu as gagnés. Seulement ça t'amène la Simcha. Il n'y a pas autre chose dans ce monde qui peut t'amener la Simcha. C'est impossible, celui qui cherche à la plage et dans les sports, il n'y a pas de Simcha. Ça n'existe pas, ça. La Simcha, elle vient de la Emouna et du Bitachon qu'on est les enfants d'Hachem et qu'il nous aime. C'est ça la vraie Simcha. Je vais finir avec une histoire dans la Gemara, c'est écrit au nom de Rabbi Chia, si je me rappelle bien. Une fois, il est rentré chez lui après un long voyage, il est rentré et il a entendu des cris dans la ville, à côté de chez lui, dans son quartier, qu'il y avait une maison qui brûlait. Et les gens pleuraient, ma maison elle brûle, ma maison elle brûle. Et il était avec son chama, je lui ai dit, ça c'est sûr que c'est pas chez moi. Comment il pouvait être sûr? Comment tu peux être sûr? Le marchand, il pose la question, il dit, comment il pouvait être sûr que c'était pas chez lui? C'était dans son quartier, son voisin. C'était une maison plus, une maison moins. Juste avec le son, tu peux entendre que c'est pas chez toi. Et le marchand dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, parce que chez moi, je les ai tellement habitués à voir que le bien, que même si la maison brûlait, ils ne seraient pas en train de pleurer. Même si la maison, elle brûlait, c'est pas possible que ce soit chez moi, parce que mes enfants, ma famille, ils ont compris qu'Hachem, il ne peut pas nous faire du mal. Si vous imaginez le niveau. Alors voilà, c'est ce qu'on essaie d'atteindre, nous, chacun, un petit peu, être un peu plus améliore, un peu moins fou, un peu moins énervé du monde. Je t'abarche chez moi, là. Trazak ou baruch.